délégation du médiateur de la République a initié une tournée de sensibilisation à l'endroit de la population dans tous les arrondissements de Cotonou depuis le mardi dernier. Ce vendredi 26 août 2022, elle est venue à la rencontre de la population du 7e arrondissement afin de leur expliquer les véritables missions du médiateur de la République. Nous sommes là aujourd'hui, nous avons échangé avec les populations du 7e qui sont sorties quand même en nombre assez significatif pour nous écouter. Et nous leur avons compris que le médiateur de la République est en réalité un intercesseur gracieux entre les citoyens et l'administration publique. Toutes les instances où l'administration publique est présente, que ce soit les ministères, les communes, les sociétés d'État, qu'elles soient publiques ou semi-publiques, lorsque un citoyen a des difficultés à se faire entendre dans une de ces institutions, eh bien, il peut saisir le médiateur de la République qui va l'aider à faire aboutir sa préoccupation, son dossier. Vieux, jeunes et femmes n'ont pas manqué à cet appel de vulgarisation. Ces derniers sont satisfaits de la rencontre et souhaitent que cette initiative soit pérennisée lors des prochains jours. Ça fait longtemps qu'on se demande à quoi sert réellement le médiateur de la République, quelles sont ses attributions et son rôle. Mais grâce à cette séance aujourd'hui, nous en tant que population lambda qui n'a pas de titre ni de rang, nous avons pu comprendre réellement le rôle du médiateur. Ce genre de séance, il faut que ça soit répété jusqu'à l'échelle inférieure, jusqu'au niveau des villages. Hein? Parce qu'ils ont des problèmes, ils ne savent pas à qui s'adresser. Après la présentation d'une communication sur le pouvoir du médiateur de la République, les participants ont exposé leurs préoccupations. La mission se poursuit dans les prochains arrondissements.